Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. On est dimanche et la vidéo du dimanche c'est... Attendez, j'enlève les bouteilles que j'avais à côté de moi. La vidéo du dimanche c'est avancée de la semaine, donc je vais vous montrer ça. Donc cette semaine j'ai fait le fond de la toile du cadre licorne. Il me reste tout ça à faire en vidéo, j'ai essayé de vous le faire cette semaine et le faire paraître bientôt. Ça a été offert par Audrey, je la remercie beaucoup. Donc il me reste ça à faire. Cette semaine, j'ai fait priorité aux toiles défis que j'avais, parce que cette semaine, franchement, j'ai presque pas fait de diamant painting. Très fatiguée, et puis aussi on est encore dans les travaux, j'ai fait ma salle à manger à fond, d'ailleurs maintenant je suis dans le salon en train de tourner, donc du coup j'ai fait vraiment priorité à ce que j'avais à faire. Donc voilà, donc là la toile de Valentin, j'avais dit que je ferais 3 cases par semaine, j'en ai fait 4, j'ai fait les deux là et celle-là et celle-là. Donc voilà, elle avance super bien, il m'en reste 8, voilà, 8 sur 40 qu'il y avait à la base. Donc voilà, elle a super bien avancé, elle est super belle. Par contre, dans les cheveux, ça fait un peu bizarre quand on regarde de près, il y a du vert kaki et tout ça. Mais bon, ça ressort très bien. Donc là, je vais la mettre en dessous, devant moi. J'ai fait la toile de ma fille Maëline. Alors, elle, j'ai fait quoi J'ai fait celle-là, celle-là et celle-là, je crois. Voilà. Donc du coup, elle, pareil, je vais finir une, deux, trois cases. Je vais finir le tour et je finirai par l'intérieur. Et Valentin, en fait, je vais faire pareil. Donc voilà, trop joli. Donc là, elle, il nous reste 3 et 3, 6, 7, 8. 8. C'est ça, il reste 2 semaines. 2 semaines et la dernière semaine, on fait que 2 cases. Donc voilà. J'ai préparé mes toiles pour le défi. Donc ça, c'est le défi d'un groupe. C'est une toile mystère. C'est une toile mystère et c'est sur un groupe. Et il fallait la couper en petites cases. Et non, ou même pas, je sais même plus. Bon, bref, moi, j'ai préféré la couper en petites cases. Et du coup, j'ai fait des cases de 5 par 5. Comme ça, ça me fait 25 cases, vu que c'est une... 25 par 25, donc comme ça je ferai une petite case tous les jours, ça me fera 25 jours à tenir pour la finir quoi. Donc voilà, je crois que je vous la... de toute façon je vous l'avais présenté dans une vidéo. C'est une toile de chez Hippostore. L'indice fatidique, j'ai soulevé, il y a eu un indice. Bon, moi je sais ce que c'est parce que Hippostore m'avait demandé des photos et donc du coup je sais ce que c'est. Et je vous ai mis le lien dans la vidéo d'hier pour le stylo qui ne s'efface pas. Hein. Vous voyez là on est le lendemain. Je l'ai fait hier et ça ne s'efface pas du tout. Donc c'est génial. Donc j'ai préparé cette toile là qui est avec un groupe. Et celle là c'est ma toile défi abonné que je vais commencer demain en plus des deux autres toiles. Voilà. En fait, les 4 toiles vont être commencées là. Donc voilà, et elle, celle-là, c'est celle qui a été choisie dans la vidéo. Et c'est Luigi. Voilà. Et la dernière que j'ai faite cette semaine, donc ce soir, j'ai bien avancé encore. C'est celle-là. C'est ma toile licorne, ça y est, j'ai fini la ligne. Donc cette ligne-là, là, j'ai fini ce coin-là. Une vraie galère comme j'ai dit à chaque fois, hein, mais bon, voilà. Voilà, c'est fait. Combien qu'il me reste encore? Il reste 3 cases en hauteur, donc je sais pas combien ça représente. Donc là, je la touche pas trop parce que il me reste 14,5 sur 50. Donc c'est très long. Je la touche pas trop parce que là, je viens de vernir parce que c'est une horreur. Les pierres sautent toutes seules. Franchement, elle est trop belle par contre. Elle est trop belle, mais bon, casse-bombe. Donc voilà pour mes petites aventures de la semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, à la semaine prochaine.